tout le monde se sert, je trouve que ça va super bien. Alors, je trouve ce cavotier World War II. Donc, on est sur le quartier général. Comme vous pouvez le voir derrière mon dos, j'ai la STG en plaqué or, accrochée avec la sangle derrière moi. Du coup, donc, je viens de la débloquer. Comme vous avez pu voir, je pense dans le titre que je venais de la débloquer. On précise donc nos coups, bref, j'ai débloqué le camouflage en or. On avait fait le lien fil en or. On avait fait. La PPSH en or, et là du coup, bon, troisième vidéo, la STG 44. Donc là, c'est la STG, voilà, je vais y arriver, la STG 44 que j'ai débloqué en or il y a quand même quelques jours, voire quelques semaines. Ça fait déjà facilement deux semaines que je l'ai, trois semaines que je l'ai. Parce que j'ai pas pu faire la vidéo avant, j'ai d'autres trucs à faire, d'autres plus. Donc voilà, donc là, on a le skin sans accessoire, voilà. Bon, si, il y a le grand chargeur que j'ai mis, mais sinon, sinon, elle ressemble à ça, voilà. Voilà, c'est sympathique quand tu recharges, tu vois. Hop, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Ok, du coup, bon, qui dit arme en or dit partie multi, donc on va en lancer une. Il y a la sélection de Bruce, donc on va en profiter. Opération Griffin 24 sur 7 et essayer de rester en chaud. C'est parti, j'espère que je vais trouver du monde. J'espère que je vais trouver du monde. Ouais, je me tâte, franchement, j'aurais peut-être dû laisser le viseur réflexe, mais c'est vrai que le viseur réflexe, c'est assez basique. C'est assez basique, et puis j'ai déjà joué beaucoup avec. Ou... Toi, je vais te fermer ta gueule. Allez, où? Comment on fait pour muer tout le monde? Oh putain, tu peux pas. Voilà. Ils vont tous fermer leur gueule, c'est parfait. Ah, c'est vrai que c'est chiant. Avant, c'était bien, tu pouvais muer tout le monde. Là, je sais pas, j'ai pas fait F, mais j'ai pas vu pour muter tout le monde. C'est un peu chiant. Ben, c'est Griffin, c'était une opération, ben, une des trois opérations que je détestais le plus. Avant. Avant la section de Bruce. Après, avec la section de Bruce, je me suis forcé à jouer sur Stabop pour avoir le double XP pour monter assez rapidement. Et au final, je me suis bien attaché. Je sais où me positionner quand je suis en défense, par où à passer quand je suis en attaque. Je sais voilà, ce qu'il faut faire. Je sais comme où lancer les grenades si je veux être sûr de toucher quelqu'un. Enfin, voilà, j'ai commencé à mieux gérer la map. Surtout que je vous dis ça, mais surtout que je vais me faire éclater la gueule. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé, on verra bien. Retenez-les jusqu'à ce que nos artificiers fassent sauter les deux derniers ponts pour les prendre au piège. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Empêcher les Allemands d'escorter leurs chars jusqu'à nos lignes. Ok, alors l'idée... On va quand même jouer un petit peu l'objectif. Ah, progresse ! Arrêtez-le ! Ouh, le shoot de poney, le shoot de poney sans le viseur. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Jack la STG et ça fait... Enfin, j'ai trop l'habitude de jouer avec le viseur le viseur réflexe. Donc la mienne, ouais, c'est vrai que ça te change assez rapidement. Avant qu'il m'allume la gueule avec sa mitrailleuse. De toute façon, il va descendre. Mais recule! Continue à tirer! Les oreilles! Les oreilles... Ton PLS! Putain, ce qu'il m'a mis. Ah, il m'a mis une tête, ok. B est bloqué par notre hérisson. On détruit notre hérisson. Faire de repartir. Alors, ce que j'aime avec la STG, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts et elle passe facilement à travers les obstacles. A est en mouvement. A recule. Continue à tirer. Putain, j'ai vraiment trop de mal. Oh, putain, ah, il t'en passe de franchir nos lignes. Allez, on y retourne. C'est parti, c'est parti. Non, on va essayer de faire un truc potable. Ah, décroche. Putain, ils y tiennent vraiment alors. Anatole se replie. Ok, ils ont plus personne qui attaque. Tu progresses. Il y en avait un qui arrivait derrière moi. Ouais. Ah, et t'as deux mon jeu Afkiz, en fait, il a vu leur gameplay tellement dégueulasse qu'il... Le jeu Afkiz. Ah, recule. Continue à tirer. Encore deux minutes et nous serons prêts à détruire le pont. Laissez pas un autre char allemand franchir nos lignes. Putain. En fait, ils flanquent, ils font que... Enfin, ils sont pires que moi. Moi, je suis censé vous me faire un gameplay ou beaucoup au frag. Moi, l'objectif... Et je joue plus l'objectif que les mecs qui sont censés s'attaquer, tu sais.
B, recule! Continue à tirer! B est en mouvement! Éliminez son escorte! Parce qu'il y en a eu qui avait un mec. Ils sont à stopper B! Bert a été arrêté yes. par notre hérisson! Que je disais qu'il avait un fort pouvoir de perforation. Par contre, en duel, ouais, en duel, vous avez CMG. La STG, c'est quoi que ça dépend. Ça dépend en fait envers lesquels de SMG. Mais. Nous putain. Pas pu non, mais non. Mais c'est pas fini. Battez-vous. Ok, bon, c'est pas grave. Les Allemands de nous voler notre carburant. On va essayer de faire quoi, ce qu'on peut, hein. Parce qu'on le voit bien là. Ouais, c'est stylé comme ça. Allez, on y retourne. On a envoyé un cœur char au tapis, mais on a aussi perdu un des nôtres. Ils essaient de prendre B. Récupérez-moi B. On a repris B. Protégez notre carburant. C'est pas là. Je suis très mauvais. Putain, j'étais trop mauvais là. Ils étaient vendus, hein. Les deux snipers, franchement, ils sont vendus. Hein. Ils sont limite jetés sur le canon. Je vous jure. Bon, allez. Un truc d'enfoiré, c'est ça. Je sais pas si ça va passer, on va voir. Ils essaient de prendre A. On a repris A. Les boss essaient de voler A. L'ennemi a perdu A. Ramassez-le. B, je sens qu'ils vont taper parce qu'il y a une putain, personne n'y va. Défendez le carburant. Les boches essaient de voler Anatole. L'ennemi a perdu B, foncez. Voilà, désolé mais... Ah putain, j'ai aucun de mes potes qui veut attaquer hein. Les boches essaient de voler Bert. Bon bah allez, ils vont mettre le point. Les boches ont volé B. Encore 2 minutes et nous serons prêts à détruire le pont. Putain. Le tiré peur. Il veut même pas récupérer le carburant. Il est juste au con. Les boches essaient de voler. Putain mais il est fini. Il y en a qui sont finis à la pisse. Possible, ils ont été tombés vers ces trous du mur, je sais pas. Je sais pas mais quoi qu'il en soit, il y a un. Putain, incroyable. Incroyable. J'ai des cas dans mon équipe. Ah d'accord, j'ai un niveau pauvre niveau 14 et un pauvre niveau 9. Les boches ont réussi à nous voler assez de carburant pour repartir. Ok, on a 4 minutes pour essayer de les ralentir plus possible. Largage aérien imminent. Empêchez les boches d'escorter leur charge jusqu'à l'autre rive, le temps qu'on puisse détruire le pont pour les arrêter. Char allemand progresse. Arrêtez-le. Char ennemi en mouvement. Éliminez l'escorte. Ah non, putain. Leur char progresse. Le char allemand progresse. Arrêtez-le. On va se placer ici. Près de Sherman. Char ennemi en mouvement. Éliminez l'escorte. Leur char progresse. Tuez les boches au-dessus du char. Ah putain, j'arrive à faire que dalle. J'ai des potes qui font des mauvais placements. Progresse. Arrêtez-le. Et un pont de moins. Tenez bon jusqu'à ce qu'on réussisse à détruire le dernier. Char ennemi en mouvement. Éliminez l'escorte. Le char recule. Maintenez la pression.
blague, ce qui m'a mis le marqueur. Enfin, qu'on m'explique comment il avait fait pour me voir, le mec. Allez, on y retourne. Le char ennemi se replie. Char ennemi en mouvement. Éliminez l'escorte. Ah putain, éliminez dommage. L'escorte du char. Leur allez, char faut se réveiller les gars. Encore 2 minutes et nous serons prêts à détruire le pont. Allez, bon après au pire, hein, on est là pour vous faire un gameplay à la STG. Qu'on perd ou qu'on gagne. Arrêtez-le. On a perdu. Les Allemands ont réussi à traverser le pont. La guerre va encore s'éterniser pendant des mois. Bon voilà, donc fin de la vidéo, on a joué avec la petite STG-44 qui j'aime bien. Et ça fait 20. C'est une arme que j'aime énormément. C'est peut-être pas la ma préférée maintenant qu'il y a la Gewehr. La Gewehr, c'est un gros kiff de jouer avec elle. Mais voilà, on s'est quand même fait plaisir. On a joué donc avec la STG en plaqué or. On vient de la débloquer. Et du coup, vous avez pu voir ce que ça faisait avec la version standard. Je vous invite donc à mettre un petit like si vous avez plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.